Salut à tous les amis, avant-dernier jour de Shanghai. Nous sommes le 28 avril. Et voilà, donc on arrive à être dans les timings qu'on avait prévus pour aller manger un petit bout et go to the park d'attractions Happy Valley. Voilà, on vient d'arriver à la station de Shishan et on avait vu du haut de la station, on a vu que le parc était là-bas. Oh, le parking à deux roues quoi. Ah, carrément, il m'ouvre la porte pour que je sorte et tout. Non, je veux rien, merci. C'est bon ? T'as donné les sous, Rick ? Ok. Là. Non, je veux pas. Je veux rien. Non, c'est bon. Alors, on vient d'arriver. Non plus. On vient d'arriver au parc. Elle m'a rentré. C'est une barrière de vendeuse forcée. Tout ticket. Donc le. Merci, mon ami. Le prix du ticket, c'est 200 yuan, ce qui fait 24 euros l'entrée du parc. Normalement, on paye rien dedans et on a accès à tout avec ça. Ni hao. Hello, welcome to Happy Valley. The 5 o'clock. The close. Ok. If the weather green, close. Ok. Merci. S'il pleut, il ferme le parc. C'est super ça. Alors mon pote, celui qui déboîte le plus là, c'est le numéro 6. Oh, c'est les montagnes russes. Non, moi c'était une explosion. Ah, pardon. Tu vois, rien à voir. Il y a du vent. Bah, filme les toupies. Vous avez vu un peu le vent qu'il y a? Waouh. Ouais. Oh, fort. Alors. Mais je peux pas s'il y a du vent. C'est à droite de toute façon. On le voit, on peut pas le rater, je crois. Bizarre, effectivement, je vois personne sur la montagne russe là. Bienvenue à Happy Valley. Il me semble que c'est fermé. C'est super, c'est le seul que je voulais faire. Ah, oh, là-bas, elle va pas fermer, je vais le faire direct. Lui, ouais, lui, il a l'air stylé là, c'est vous voyez. C'est bien quand c'est bon. Il passe dans tous les sens. Wow. Putain, il t'arrête en haut dessus. Tu vas à l'envers et tout. La tuerie. Yeah. Voilà, donc là vous avez les manettes du manège. Là. Quand c'est plein. Parce que là nous on va tout là-bas, il y en a pour une heure de queue. T'imagines le jour où c'est plein là. Heureusement qu'il y a la musique. Vous êtes prêts là? Oh putain, avec les pieds devant, c'est trop chelou. Ah. Non, tu vas pas. Oh. Oh putain. Oh. C'est bon, je suis réveillé là. T'es réveillé là? Ouais, c'est bon. Putain? Ouais, c'était de la tuerie, était énorme le truc. C'est très rapide pour le nombre de temps que t'attends, mais t'es vraiment bien. Exactement. Je sais pas, on va voir, on va faire lui. C'est bien, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Donc là, on devrait pas en avoir pour très longtemps de queue. Ah bien. Oui, il y avait même la première descente et tout. Bien. Pas mal le décor.
Elle est là pour admirer la vue, c'est sympa. Ouais. C'est une grande roue horizontale, en fait. Mind train coaster. Eh, chiffre le décor là. Sur votre droite, vous pouvez voir l'entrée de la mine, bien sûr, là où les mineurs venaient avant, défoncer les cailloux. Ah bien. Sur votre gauche, vous avez une vue sur le dôme et tout le reste de la ville, et le parc, évidemment. Très bien. Tout droit, vous allez voir le reste de la ville au côté ouest, n'est-ce pas, avec le théâtre juste en face. Far West, mon pote, avec de la musique brésilienne. Ouais, ils viennent de choper un espadon là. Ah, vous voyez, c'est genre de choses, différence de culture. En France, l'espadon il aurait été ouais, style l'espadon, vous voyez, en avant. Là, c'est l'espadon, ils l'ont chopé, tu vois. Il est dans les filets en train de crever. Voilà, ça y est, on vient de finir le parc. Bon, c'était sympa, on a passé une bonne petite après-midi, ça nous a passé le temps. Voilà, et là on se retrouve en ville. Ouais, bah là on va rejoindre la station de métro qui est pas trop loin, à pied. Parce que comme d'hab, quand on finit les trucs, il n'y a pas de taxi. Très bien. C'est par là-bas. Je me rappelle. Presque arrivé. Encore plus impressionnant, évidemment, l'arrivée du métro. Ah. Voilà pour l'avant-dernière soirée, on va venir dans le centre commercial qui est en bas des grandes tours et la magnifique et mythique Pearl Tower de Shanghai. Voilà, on va aller dans l'IFC Mall. Là tiens, tous les restos de la tour, enfin du centre commercial, avec leur étage. Petit piano, c'était magnifique. Assez chill, hein. Carrément, c'était super apaisant de la regarder jouer et tout. C'était Paradise Dynasty. Légende of Xiao Longbao. Stylé ça, ce temps. Voilà. C'est pas ce qu'ils font. Ouais. Non. C'est bon. On a trouvé le vrai repère des triades. Non, mais c'est super beau, regardez. Trop fort parce qu'ils voulaient pas que tu fasses. Là, vous avez des raviolis de toutes les couleurs. Il y en a à la truffe, au foie gras, au crabe. Ils sont trop stylés de toutes les couleurs. Alors, est-ce que tu as une préférence? À toi l'honneur, donc Sichuan. Oui, Sichuan. Vas-y, on sait pas ce que c'est le Sichuan. On a déjà lâché des... Ouais. Allez, vas-y, vite, hein, d'un coup on bouche. Faut pas, y a le jus avec. Il déchire? Oh, foiré. Foie gras, c'est lequel? C'est lui. Oh non. Au foie gras. Oh, il est trop bon, foie gras. Ça passe trop bien. Il est carrément meilleur que le truc. Voilà, j'ai reçu le plat principal de ce soir. C'est du porc caramélisé avec une sauce sucrée. Voilà, ça va être bon. Des boules de pain farcies au végétable. Et toi, bah, c'était les nouilles qu'on a montré tout à l'heure avec ta viande à l'extérieur. C'est vrai que c'est propre là. Hein, le plafond, le sol, les murs. Dans cet endroit où les lampes, les lumières, tout. Tout est nickel. Les affiches. Les affiches, voilà, pas une rayure, rien. Oh, vidéo terminée pour aujourd'hui, les amis. Comme vous avez vu, on a passé une super journée entre le parc d'attractions. Vraiment, on s'est éclaté. Le resto, bah, comme vous avez vu, on s'est fait plaisir là. Pour le coup, on s'est vraiment régalé quoi. Très bon le dumpling. Ouais, les dumplings étaient délicieux. Dumplings, c'était très très bon. Voilà, et demain c'est la dernière journée à Shanghai. J'en reviens pas, comme ce mois il est passé trop vite. Incroyable, donc demain on prépare les bagages et on se fout,
j'essaierai de vous faire un petit débriefing sur l'aventure, sur voilà, sur un petit peu ce qu'on a ressenti ou quoi. Voilà, donc j'espère que l'aventure Shanghai vous aura plu. On se retrouve demain pour la dernière journée. Et préparation des valises. Dans deux jours, on est à Taïwan. Je vous remercie d'avoir suivi l'aventure Shanghai. Et je vous dis à demain pour ce soir. Exactement. Et je vous kiffe toujours. Hasta la vista. Elle m'a claqué le truc là, je peux plus bouger. Ah ouais, moi j'ai fait exprès d'aller de l'avant pour ne pas qu'elle. Oh, c'est bon. Vas-y, fais en bas. Vas-y. Appuie sur le bouton, bordel.